Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez les filles à pois. Nous allons vous montrer aujourd'hui comment remplacer les couteaux de rasage d'une Pfaff 1450 OL. C'est une opération qui ne prend pas plus de 10 minutes. Débranchez la machine, ouvrez le capot frontal, repérez la vis du couteau supérieur, munissez-vous d'un tournevis plat, débloquez la vis. Faites attention à ne pas la faire tomber une fois déposée. Voilà, vous avez retiré le couteau supérieur. Maintenant, déposez la vis du couteau inférieur. Attention, il y a deux longueurs de taille de vis. Ça sera important pour la suite. Nettoyez bien les portées pour vous assurer qu'il n'y ait pas de bourre là où vous allez remettre les couteaux. Retirez le bras libre et placez la surjeteuse sur le flanc gauche. Nous allons placer le couteau inférieur, mais avant, nous allons déposer le pied qui peut gêner au remontage. Comme vous pouvez le voir, le couteau inférieur coulisse dans sa position pour pouvoir permettre de le régler. Installez sa vis et serrez-la sans la bloquer. Comme vous pouvez le voir, il faut que le haut du couteau soit affleurant de la plaque de couture. Bloquez la vis. Maintenant, munissez-vous du couteau supérieur et mettez-le en position. Donc là, on installe la grande vis. Pareil que pour le premier couteau, serrez-le sans le bloquer. Le bon positionnement du couteau est le suivant. Faites tourner la machine jusqu'à ce que le couteau supérieur soit le plus bas possible. Il faut que le tranchant des lames se croise suffisamment pour couper le tissu. Ils doivent se croiser d'au moins 1,5 mm. Une fois la position trouvée, bloquez les vis. Vérifiez que le couteau se lève suffisamment pour laisser passer une grosse épaisseur de tissu que la machine est capable de coudre. Voilà, l'exemple de réglage. Voilà, vous savez comment remplacer les couteaux sur la surjeteuse Pfaff 1450 OL. Bonne couture !